ya uritole ya zimbadezini. Uwaluwa wadi uwanike wa unono. Uwatsonu wa uwahifadhi nuwa ya Rabbal Alamin. Allahumma kad araitana kuwatak. Allahumma kad araitana kuwatak. Wa kudratak. Fi korona. Husa huronesa zimfuza. Huronesa zimfuza. Huronesa utukufuwa. Huronesa anta almutakabbir. Huronesa ukawufa nyuzo wanza. Husa huronesa zimfuza. Horizi wono. Riwono zimfuza ho ya Rabu. Ngarizi wona wa zimfuza ho ya Rabu. Husa huronesa zo. Risarizi wono. O zimfuza. Saru wono pisansi ya. Saru wono pisansi ya. Sarisi wono ya huu wadi wa korona. Ureme wandu. Zenyumba zibado. Zelikoli zibado. Wandu wabazi ziwa. Hatari wasuli ya kominote iremo. Hatari wasuli ya kominote isa iremo. Wanzuani, wamawori, wamwali, wangazija. Deja wandu wa sawaremo. Ye halingi yonziru. Basaba sangaruhumba uhele zina lako ku. Fa arina rahmataka. Arina afwaka. Hena mna waronesa zemfuza. Hena mna waronesa zemfuza. Hena mna waronesa pisansia. Abasa inu ronese ze rahma zao. Nasiri aminu kawendi mwenza rahma. Ronese ze rahma zao ya Rabbal Alamin. Ronese shayrumbisha ho ya Rabbal Alamin. Ronese shayrumbisha ho ya Rabbal Alamin. Ronese ze rahma zao ya Rabbal Alamin. Utowe ze tabuzini ya Rabbal Alamin. Ubonese uwaluwa wadi ya Rabbal Alamin. Ubonese uwaluwa wadi ya Rabbal Alamin. Urihifadhi siwasa ya Rabbal Alamin. Uritole ze tabu ya Rabbal Alamin. Uritole haina tabu. Na haina maradhi. Reka corona, reka AVC, reka kanseri, reka mwade zambani, reka zahito, reka diabeti. Haina mwade zitowe ya Rabbal Alamin. Ronese ze rahma za hubari amin. Husa uronese ze mvuza. Uronese pisansi ya faarina afwak. Faarina kudrat, faarina afwak. Arina rahmatak. Innaka antal azizul ghafar. Wende mwinji rahma. Wende mwinji rumbi. Riamini. Antallahul azizul ghafar. Gari huombao mnasaluk. هلذنا لك باسمك الأعظم باسمك الأعظم وأمتي وصوريك غرهم باو باسمك الأعظم هلذنا لك باسمك الأعظم يا من له الملك يا من له الملك والملكوت يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء اللهم احفظنا بحفظك اللهم اكنفنا بكنفك اللهم سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم ربنا إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا قلها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم اشفنا من كل مرض اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض حوائجنا وسهل لنا أمورنا إنك على كل شيء قدير وصل وسلم وزد وبارك وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقض جميع حوائجنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من البرص اللهم إنا نعوذ بك من المرض والبرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا هذا البلاء واحفظ الأمة اللهم احفظ الأمة من هذا البلاء اللهم ارفعها عن هذه الأمة اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارفع هذا البلاء اللهم ارفع هذا البلاء إنك أنت القادر المقتدر إنك أنت العفو الغفور وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وتكفو بعد رسالته ويفتيها ريمو مبيا نوكا نغسينا نرنغون يا بابا سنغرنجيا وخريمو زيلا نرنغون
baada risari towa ila fatiha ngarinjia wa harimazila nrongonine karna henda wakati mwinji ngarandisao rishie parti ya mwandu ya kimahadisi na kuhadisi tihalebanu damina Dr. Slim Marseille ikawu ngamu mjua ungu julo Dr. Rishile mahadisi ya hae yonde parti ya mwandu ya basa ikarsa rishilia imahadisi ya hae rishilia yavo ngarjo huja rirengeze apeli za huwa na nyasi yonde imani hatu mruka na ukana imani raha mpaka wanzize mwana nyuhuzo wanziza wa nafsi yao. Mratu jambo kaa kuti mwade ya kuti na haja. Partaje video uishi liye. Nga mwanzo ze amina za hanyongizo tereze mporta. Ze amina za hanyongizo muhimu. Ze amina za hanyongizo muhimu. Ngarju urenga ze apeli za ho wanruwa. Tseena ngarju uzishi ya tihale yao. Ze apeli za ho wanruwa. Mbosheleye amina. Ze fatia njoka uotoleya mzima mzima. Mguya wavukisho mala honi waliyo. Mguya watole uwade. Mguya watole uwade unu ya wahifadhi. Waundu wananyasi. Odwa na shohat, ondwa zizahat, waunda siwasi, aizo ngarjura nga zapeli ruwambele zeduwa. Ikarsa timize za hao special, ngerijo harimweduwa ea hatu, ikawanga wajoka aya za Qur'ani, njou zeleza uranzi, na hadithi za mtume ni njou zeleza uranzi, ngeri wambi eduwa ea hatu sonsipia, inshallah ta'ala. Bismillahi, madabo, ngarjo ishilia Dr. Slim Tena, ngarjo humpara ya rambia za nyumeni, shazino dizo ya nambia, wajioniti halibano, udubu maharibi bano, ya kaunambia, aizo narishilezo amba maharibi, rendele parti 2 ne 3 e kanga rendura timizi rjeri mpare recompose telefoni rimpare ya jurambia eza nyumeni tsena ngeri to we fatiha rizie bismillah quelqu'un de malade serait jamais venu pour contaminer les autres mais c'est que ils devaient être porteurs sains, ça veut dire ils avaient pas encore les symptômes de la maladie sur eux et ils ont assisté à ce mariage. Malheureusement ça fait contaminer les autres. Moi sur chaque mariage là j'ai eu au moins 5 ou 6 personnes comoriennes là dans ma patientèle. Donc chaque personne, elle contamine 5 autres personnes. Donc rien que sur mon cabinet à moi, j'ai au moins 35 personnes qui sont contaminées par le virus, rien que par rapport à ces mariages-là. J'ai été contacté par une doctoresse de l'hôpital Nord. Au niveau de l'hôpital Nord, les informations qu'ils ont eues, c'est que ce n'étaient pas des gens du mariage spécialement, c'est des gens qui ont assisté à des prières de groupe, où ils allaient chez quelqu'un, une vingtaine de personnes, pour prier Dieu, pour qu'il les épargne de la maladie. Donc ça aussi, c'est un lieu où il y a eu la contamination, puisque la prière, on l'a fait les uns serrés aux autres. Oui. Et... Le virus, il se propage de la main d'une personne à l'autre par la respiration. S'il y en a un qui tousse, qui éternue, tout le nuage dans l'air fait contaminer toutes les autres personnes présentes dans la salle. Et donc, il suffit qu'on soit dans une chambre tous ensemble, une vingtaine de personnes, il suffit d'un malade pour que tout le monde soit contaminé en même temps. Mais les symptômes, ils vont apparaître qu'en décalage, dans 14 jours. Donc tout le monde va repartir heureux, content chez lui. Il ne se rendra même pas compte qu'il a inhalé du virus et qu'il est lui-même maintenant source de contamination pour sa propre famille, pour ses parents, pour ses amis, et ainsi de suite. Donc la communauté comorienne à Marseille, je sais qu'ils sont très soudés, ils s'aiment et j'adore ça. Moi, c'est la communauté comorienne, je l'adore. J'ai énormément de passion comorienne. Je sais comment ils sont d'avoir gentil. Ah, c'est gentil, là, c'est gentil. Et le fait qu'ils se rapprochent, parce que comme ils ont la foi, ils se rapprochent les uns des autres, c'est ça qui gêne énormément avec ce virus-là. Plus on a de contact avec une personne, plus on est amené à lui transmettre ce virus. Il adore la proximité. C'est pour cela qu'on parle, nous, ici, en France, de distanciation. Ça veut dire qu'il faut laisser au moins une distance d'un mètre et demi entre une personne et l'autre, pour que si jamais la personne, elle a le virus, si elle éternue, si elle tousse ou si elle parle, ça n'atteint pas l'autre personne qui est en face. Or, au moment de la prière, on n'est pas loin des uns des autres à 1,50 m. On est collés les uns à l'autre. Lorsqu'on fait des lignes, tu dis « Taras, Tassaf » faut. Donc, on s'aligne, on se touche. Et là, le virus, il profite. Il faut profiter de notre foi pour nous jouer un tour. Oui. Donc, l'essentiel du message, c'est que chacun doit rester à la maison. On se rend plus visite. On prend des nouvelles l'un de l'autre. C'est vrai qu'on s'aime par téléphone, par les réseaux sociaux, par n'importe quel moyen, mais c'est juste qu'il ne faut plus qu'on se voit. Il ne faut plus se voir. Les mosquées ici, ils ont fermé. Donc, il y a eu des directives ministérielles pour fermer les mosquées, pour qu'il n'y ait pas cette contamination.
une personne qui décède, il ne nous laisse même pas aller la voir parce que la personne, pendant 2 jours qui suivent le décès, elle continue à sécréter le virus. Ça veut dire elle peut contaminer la personne, même celui qui la lave. Donc, si on doit laver la personne, il doit y avoir une précaution vraiment très particulière. Il doit être ganté, habillé, comme les médecins dans les salles de réanimation, pour ne pas être contaminé. On est arrivé à ce point. Donc, il ne faut pas aller à la toilette mortuaire, il ne faut pas faire la prière du mort en groupe. Chacun, il l'a fait chez soi, comme lorsqu'on fait la prière pour quelqu'un qui décède, par exemple pour Yasser Arafat, lorsqu'il est décédé en Palestine, tous les pays musulmans, ils ont fait la prière du mort à distance. On n'était pas en face de lui où il fallait qu'on le voit pour qu'on prie chez lui, sur lui. Les musulmans, ils ont la foi et Dieu, il écoute nos prières de partout dans le monde. On n'a pas besoin d'être prêts tous ensemble pour que Dieu nous écoute. Dieu écoute chacun. Vous êtes d'accord avec moi, Mufti Fondi ? Oui, je suis d'accord avec toi, oui, c'est ça. Donc, le souci qu'on a, c'est qu'il ne faut plus que les gens se voient, ils se côtoient. Il faut qu'ils restent à distance l'un de l'autre, ils ne se rendent plus visite, ils ne se touchent plus, on ne salue plus avec la main, mais encore moins avec la bise, et on ne se rend pas visite. Chacun doit rester chez soi et on s'appelle. Il n'y a pas de problème pour s'appeler, pour avoir des nouvelles de son frère, de sa tante et tout. L'autre problème, c'est que la promiscuité à Marseille, la majorité des appartements, des personnes comoriennes, malheureusement, ils sont petits. Ils sont nombreux déjà dans une famille et ils habitent dans un T2, T3. Donc il y a plusieurs frères ici. Les sœurs, ils sont ensemble, les frères, ils sont ensemble, les parents, ils sont dans une autre chambre, mais on se retrouve avec 3-4 personnes dans la même chambre. Il suffit qu'une personne tombe malade, on en a 4, les 4 frères ou les 4 sœurs qui sont malades aussi. Et peut-être on héberge aussi la cousine ou la tante ou la grand-mère. Donc la maladie, c'est en train de se propager d'une façon hallucinante. Et en réanimation, donc, on retrouve 70% des personnes qui sont intubées et ventilées, ça veut dire qu'ils luttent contre la mort parce qu'ils ne respirent plus par eux-mêmes. On leur met une machine pour qu'ils arrivent à respirer. Donc on les endort, on met des tuyaux et la machine souffle à leur place pour gonfler les poumons, pour que leur corps continue à s'oxygéner. La majorité, c'est des Comoriens. Là, sur 10%, ça veut dire sur 10 personnes, il y en a 7 Comoriens. Ça veut dire chaque 10 personnes, il y a 7 Comoriens. Il y a 7 Comoriens. Ici, ça va être carnage, c'est un tsunami. La diaspora comorienne, elle va disparaître. Elle va disparaître. On va vers vraiment un fossé. C'est énorme. Ça veut dire que ce n'est pas des choses de blague. Il faut prendre sérieux les choses là. Si les Comoriens de là-bas espèrent que leur famille ici, exilée en France, qui travaille ici, qui leur envoie de l'argent, continue à vivre, il faut vraiment qu'ils prennent conscience de ce problème-là. Sinon, tous les vieux Comoriens, la première génération, ils vont décéder. Et le souci, c'est même pas les vieux. Moi, personnellement, j'en ai 3 actuellement en réanimation. Un patient qui est décédé, Allah yirhamo, c'est M. Chamsoudini. Il est décédé hier. J'ai un autre monsieur, M. Madi, qui est intubé, ventilé. Et j'ai une dame de 48 ans qui n'a aucun antécédent, ni de maladie du cœur, ni diabétique, rien, aucune maladie. Elle est, elle aussi, la pauvre, intubée, ventilée. Elle est maman de 3 enfants. Le petit, il a 7 ans. Le plus grand, il a 14 ans. Si elle est amenée à décéder, ses enfants, ils vont être orphelins. Ils n'ont personne. Elle n'est pas mariée. Elle vivait seule avec ses enfants. Une gentille dame. Donc, il faut vraiment que les Comoriens, ils prennent conscience qu'il ne faut plus se voir, qu'il ne faut plus prier ensemble, plus aller l'un chez l'autre. Le temps que cette épidémie passe, c'est vraiment très, très grave. C'est une maladie, ce n'est pas une grippe, c'est un virus, je ne sais pas d'où il est sorti, de l'animal, il est passé chez l'homme, mais qui est en train de faire des ravages, il est en train de tuer, décimer l'être humain. C'est vraiment l'épidémie du siècle. Et principalement, ça touche les Comoriens parce qu'ils sont aimants, ils sont gentils les uns vers les autres. S'il y en a un malade, d'habitude, il y a une personne malade à l'hôpital, il y a 10 personnes, 10 Comoriens, on dit Hamoudiam, qui viennent lui rendre visite, comme le prophète l'a dit, rendez visite à vos malades, etc. Mais là, sur ce virus-là, il ne faut absolument pas faire, parce que
les 10 personnes qui vont rendre visite à ce malade-là vont être malades eux-mêmes. Et d'ailleurs, en réanimation, ils ne laissent personne rentrer. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, peut-être c'est beaucoup, hein, les gens qui sont positifs. C'est énorme. Là, j'en ai 55 sur les 55. De 55 55 positif, c'est ce que diagnostique positif. Oui. Sur les 55, j'ai 38 comoriens. 38 comoriens. Rien que sur mon cabinet à moi. J'ai pas demandé aux autres médecins. Ça, c'est en cabinet de ville. Ouais. Aujourd'hui, 6 comoriens sont passés en réanimation à l'hôpital Nord. 6 comoriens supplémentaires, ça veut dire qu'ils vont lutter contre la mort. On ne sait pas s'ils vont vivre ou s'ils vont mourir. C'est vraiment la communauté qui il faut qu'on fasse effort. Inch'Allah, on va faire effort. Et maintenant, dans quelques instants, dans 20 minutes, je vais commencer vidéo en direct pour parler avec tous les Comoriens. Et je vais lancer cette message et je vais appeler tous les Comoriens pour faire effort, surtout pour éviter les mariages, même 10 personnes, même comme ça. Oui, oui, oui. On fera la fête après. Vous leur dites, vous différez les mariages, vous différez les rencontres, les rencontres. On sera heureux plus tard, mais heureux et vivant. Parce que si on le fait maintenant, on sera heureux un laps de temps et mort le lendemain. Oui, d'accord. Merci beaucoup parce que je vous remercie beaucoup parce que tu es gentil et tu aimes les populations comoriennes. Et comme ça, tu nous donnes le conseil. Comme ça, et tu as vu de ça beaucoup de gens. La hawla la quwwata illa billah. Rahare jendele ya epartia vili. Yahoo andrika wa juu parabaharu watoleze fatiha. Rujujari pare doktori. E doktori ndo ite ngarjo humpara dan kelke zesta. Harimuanada kika wa shashivanu ngarjo para doktori. Ngamjo kompoze telefoni yahi. Ngarjo humpara dan kelke zesta. Sharishi liya yuzu ya kawunambia ava sainu ava nejandi se darasa. Yengu ambo shando kabini hahe. Wa wasa wa julihana nizendongo pia. Ndo kabini hahe wa komori 38. Kajamba nizela pitali pia za Faransa. Yonga mjoo shifaransa rahana mi, rahane jendele ya buatukufu, inuketi ya polomiki, inuketi ya mzaha, inungio ya suerie, inungio ya ukariwambedua, inungio ukari nyenyekeye, rigeni mrabakoda huniha, yendrungo na riisubirie, besho wafumundu mbuna subirie, yungujufanya, besho mbuna wafumundu mbuna tambengwa nzo ende tangani, au yendele mdu tangani, wakati ungo mziru, besho wafumundu, nga mwishi yao, uingwe lezo shande de Marseille, uharimweka bine hae. Yengoelezo shando harimu ya kabine ya hake Dr. Slim. Ngoelezo tibasi nuwandu ya wajua wa harimu ya pitali noru. Ma Dr. Hamanda ye wa paranao ze khabari. No harimu ya tijila pitali European. Ayuzo ngoelezo ze khabari hizo. Uwandu kana yeye wa ya wajua wa basi. Yeye nda yeye basi. Yo 38. Ya walo paringo wanga. Uwalo la pitali noru ngo wanga. Uwalo la pitali dahubini ngo wanga. Uwalo malahundu wa jingo wanga. Yani abu yesu ya soketi nyangu. Ayuzo ngiyo ya ukari wambedua. Rikeni imani, zinuko katiza mzaha, katiza betizi, ni ujwa shifara ntsara hanami, ntuta hanendele haku, bismillah irisari shilia, doktori, ngarjo mwishilia tena, ngujori ni kakabari za saa tena, danke lkezistan, irisari mwishilia, ababasa mrati joshanga, ye ngwambu izo ya wona, yeye ngwambu shandi izo, yeye ya wona, ngwambu ka, ngarjo humrenga e telefoni ya hae, ngarjo humpara, tihalebanu, ngamjuri samihibu watukufu wa kheri, mnyezi mngari hifadhi, rahare jarenga ye apeli ya hae, tihalebanu basa ngarjo humrenga ye apeli ya hae, ilia rambie mbanrongo, rahare jarenga ye apeli ya doktori tena, au kasa rambie, rahare jarenga ye apeli ya hae, rejaja uharimwa ze khabari za hoze duwa uandrojoko parabasa waluna uwade iliru ombeleze duwa kabati ya kashma mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala ngurambio harumwe Qur'an inarishilie iaya iyo rejo unji uharumwe parti numero 2 rirengeze apeli za ho wandri kawo nguwawona uwade wakumori uili iruatole ze fatiha special kabati za ukashe wala mru waune haya mru kadona haya mru ukawubwone awufe inurungo buka ungo umbu mungu ya huvukish inutirungu ya ukakashima, kabati nungu za kashima, kashima ya hindi uwadi, unu uwadi uwanruwa balondo malapitali, uwanruwa ralu au, wakatobidi uwambedi uwamrungu ambu, mimi tuanzabaka mraju, wanzo ulinde ufe, shakutuweza wajivukisha, kutuweza wafanya eforo, umatu wa humbele dua, uislamu wa humbele dua, ayuzo watukufu ngarelea abasa inu,
Mjomni samihi, rahari jarenga ze apeli, mjomni samihi buwa tukufu, rahari jarenga ze apeli hizo, na mnike mna insegondi mtiti, bismillahirrahmanirrahim, ni mnike ni aya hiyo, ngeri renge ze apeli. Aya yamba ukana, a'udhu billahi mina shaitana rajim, bismillahirrahmanirrahim. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم منيزم قنقورا بيوكانا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إكوا كتراوير يا أوانادا مبايا مبواد مراض همادي زيزاجر ودون نا بروبلوم نا مشاك تضرعوا إكوا نروا نينيكيا ونيوامبو منيزم مungu تجوا طولا لبايلو أمجوا هفاضي أمشي آية فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلى رجعنا لسورنا زي أبيل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إكايا 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 ولا وانريكا ونادم إكاتي ويرا لبايا لا بروبلم وزي مرض زي تابو بيا نيزم قبا تضرعوا إكا وانيني كيا واني وانبو من نيزم إكا واني وانبو ميمي الله Wawonu kaba nuzinzila wa mgujuna rimtahe samahari staghfiru rimombe. Nyezi mgu ambati jo watola leba ilu. Amjo watola ze mbwade izu. Amjo watola ze mushkila izu. She problem. Nyezi mgu ambati. Walakin kasat kulubuhum. Shazero hoza hawa zifu. Watungu ambati kwa tina haja ya uhomba mungu. Kwa tina haja wa rejeivu mgujuu. Watungu ambati haya kati lila dala wabati wono. Badi wenji wala dala watu wono. Badi mrujo hali dala umro kaka wono. Badi wenji walola pitali wafamola pitali. Badi wenji. Wenji mga tungwa bakasa tukulubo. Zerohoza hawa zifu. Eka udo ambio kanari wombe mungu. Mdu katuanza wombe duwa. Katuanza wombe mungu. Shangu tuamba hali dalawu. Basino ganzo ule dalawu uridi wombe mungu. Ilile dalawu li hufai.